Oui, bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Philippe pour Sport et Vie Pratique. Et bien là, je vous propose une petite recette de saucisse de Toulouse Express au Cookéo. Donc pour cette recette, il vous faut, et bien là, c'est pour 5 personnes, et bien j'ai pris 5 saucisses de Toulouse que j'ai coupées en morceaux, 100 g d'oignons congelés. Il vous faudra également, et bien, du poivre, de la moutarde. Là, j'ai pris un petit verre de rosé parce que j'avais plus de vin blanc, mais vous allez voir que ça donne quand même un goût sympathique. Et ensuite, je rajouterai de l'eau par-dessus. Et bien, c'est parti pour cette recette express. Je vais allumer mon Cookéo, je vais mettre en position manuelle et en position dorée. Et puis l'appareil se met en préchauffage. Quand le préchauffage sera terminé, on pourra faire dorer nos oignons et nos saucisses. Bien sûr, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans le fond de la cuve. Voilà, l'appareil est chaud. Donc je vais mettre mes oignons congelés. Je vais ajouter ensuite mes morceaux de saucisse et je vais faire dorer tout ça. Je vais maintenant pouvoir ajouter mon verre de rosé. Je vais ajouter un petit peu d'eau également. Je vais ajouter une cuillère de moutarde. Je vais poivrer un petit peu. Et je vais pouvoir démarrer ma cuisson. Je passe en cuisson rapide. Je vais faire cuire 10 minutes en départ immédiat. Il ne me reste plus qu'à fermer mon couvercle et je vous dis à dans 10 minutes. La cuisson est terminée. Nous allons attendre la fin de l'épaissurisation et nous pourrons ouvrir notre Cookéo. Allez, on va ouvrir le Cookéo. Et voilà. Nous allons pouvoir maintenant déguster nos saucisses. Eh bien, je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.